Aujourd'hui, c'est la journée des cas. Voilà, non, là, là, là. On m'explique le retard. Hein. Voilà. Il était en communication là. Putain, mais le son est ça là. Abdourahmane Sangaré, Yaka Oueto Sylvain, Désiré, Tagro. Allez, yo! On sera tous à Mamao. Après 8 ans d'enquête, toujours pas de résultats. Mais il fait quoi là-bas? L'éternel a le dernier mot, non? Ouais. L'éternel a le dernier mot. Ouais. Parce qu'il faut qu'Abidjan ici, nous montrions qu'Abidjan nous appartient. Maman Simon et Yves Babo, la messe spirituelle. Oh, on sera tous à maman. On a cette confiance. Maman, oh, on sera tous à maman. Benjilin Nyota Zaina. Ah, comment on appelle les ZZ toi? Benjilin Nyota. Benjilin Nyota Zaina. C'est le nom ça là. Tu viens d'où même pas là? Tu viens d'où? Benjilin Nyota Zaina. On va regarder un peu de. Salut Jésus, c'est le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Salut du Pérou. Bon, bonsoir les champions. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui viennent de nous prendre la marche. Voilà, mais sachez que la vidéo a commencé depuis 11h du matin. Voilà, là nous sommes, il est quelle heure? Il est 14h, ça fait 3h du temps. Je suis dans la vidéo. Mais d'abord, la vidéo se déroulait sur mon compte Facebook. Mon compte Dexter Hamilton, ou bien Hamilton Dexter, ça c'est mon compte Facebook. Maintenant, j'ai jugé impérieux de passer à la vitesse supérieure et venir sur ma page. Vidéoman dessin animé qui est international. International Porsche. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? Voilà. Comme vous le savez, voilà, nos deux leaders, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, sont kidnappés. Font l'objet d'un kidnapping à la CPI. Avant qu'on disait qu'ils étaient kidnappés, c'était un abus de langage parce qu'on n'avait pas les preuves. On disait qu'ils étaient maintenus injustement, mais on n'avait pas les preuves. Maintenant, on a la certification que vraiment nos deux leaders sont kidnappés à la CPI, sont détenus injustement à la CPI. Donc, comme du nom de quoi parle l'auteur? L'auteur parle de ce que nos deux leaders ont été acquittés, mais ils séjournent illégalement dans la prison de Scheveningen. Face à cet état de fait, voilà, au début, on partait les soutenir avec des gens de bon aloi qui mettaient des cas à leur disposition. Voilà, il y avait des cas à leur disposition, soit les cas de 30 euros qui étaient orchestrés par Willy Bla, un résistant, et aussi des cas de 15 euros, 10 euros qui étaient organisés par le groupe EDS. Qui mettait ça à la disposition des démunis.
Moi, je sais, 2 minutes, c'est un abus de langage. Mais moi, selon moi, je me dis, il voulait que tout le monde ait accès au bien pour faire le voyage à l'arrière. Mais force est de constater que depuis le 15 janvier, où on devait être massif à la CPI pour qu'il y ait notre ras-le-bol, on a constaté que ces gens de l'EDS n'ont pas mis des cas à la disposition pour aller soutenir, pour qu'on puisse aller soutenir nos leaders. Ce que moi, dessin animé, j'ai trouvé un peu déplacé. Voilà. Parce que la ligne voudrait que nous, quand nous sommes au bout du tunnel, nous devions, c'est là, on doit plus se mobiliser pour pouvoir faire du bruit à la haie et demander la libération de nos leaders. Vu que là-bas, ils sont embrigadés. Ils sont détenus injustement. Ils sont kidnappés. Voilà. Vu que les gens, ils sont acquittés, mais ils sont maintenus contre eux les gré, contre l'éthique du droit international. Donc moi, c'est en ce sens, le dessin animé. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais... Certes. Les gens, ils ont mis les cas à la disposition des plus démunis. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas accéder au cas de 30 euros. Il y a un groupe qui s'est constitué comme cas. Ils sont appelés EDS pour mettre les cas à la disposition des gens pour qu'on puisse effectuer le voyage à la haie. Voilà. Ils ont fait ça à 10 euros, 15 euros. C'est pas pour avoir une ristourne derrière. C'était juste pour mobiliser la masse afin qu'on puisse se faire entendre à la CPI. Donc moi, les dessins animés, lorsqu'ils ont fait ces premiers voyages à 15 euros, ouais, c'est ça qui m'a permis de fouler le sol de l'Hollande, en l'occurrence à la haie. Voilà. Ok, moi, le dessin animé, quand je me déplace toujours avec les gars de corps. Donc, j'ai payé au moins 5 tickets, un pour moi et 4 pour mes gars de corps. Voilà. Ça m'a permis d'aller à la haie. Le deuxième voyage, c'était à 10 euros. Comme le dessin animé, il ne marche pas seul, j'ai payé encore 5 tickets. Un pour moi et 4 de mes gars de corps. On s'est dépassé d'aller à la haie. Donc, un disant, ah, de quoi parle l'auteur? L'auteur, quand il parle toujours avec preuve. Voilà. Moi, je suis dans la réalité. Voilà. Voici les tickets qui sont là. Voilà. Ah, c'était pour le 30. Ah, ça, 30 septembre. 1er octobre, là. Voilà. C'est 3 tickets. Les 2 de mes gars de corps, là, ils ont gardé pour eux. Parce qu'ils devaient monter ça pour monter dans le car. Voilà. Ça, c'était pour le. Pour le 12 novembre. Voilà, 12 novembre. Voyez ça. Voilà, c'est les tickets. Donc, moi, j'ai payé tous les tickets. J'ai payé tous les 5 tickets. Voilà, pour me rendre à la haie. Voilà, voici les preuves qui sont là. Je ne sais pas là pour dire, ah, dessin là, entrer, parler, parce qu'il a envie de se donner la contenance. Voici les preuves qui sont là. Voilà. Et c'est grâce à EDS que moi, j'ai pu fouler le sol de chez Winningen pour aller soutenir nos leaders. Maintenant, moi, je me pose la question. Voilà. Je ne suis pas mandaté par quelqu'un pour venir faire cette vidéo. Voilà. Je ne suis pas mandaté par quelqu'un pour venir faire cette vidéo. Voilà. Je parle à mon nom, à mon nom simple. Voilà. À mon humble nom. Voilà. En tant qu'acteur de la société civile et politologue. Je dis, mais diantre, c'est la dernière ligne droite. Pourquoi l'EDS? Pourquoi l'EDS qui se réclame mouvance pour Babo? Là où on a besoin d'eux pour pouvoir mobiliser un maximum de personnes afin d'aller soutenir nos deux leaders ne se manifestent pas. Il n'y a aucune déclaration faite de la part de l'EDS pour dire que non, il n'y aura pas de cas à vos dispositions. Mais dans les Wunkunku, c'est-à-dire le Wunkunku dans les ça et là, dans les commérages, voilà. On a cru entendre que l'EDS a dit ils n'ont pas jugé nécessaire d'effectuer, de mettre des cas à la disposition de nos leaders pour qu'on puisse voyager, vu qu'ils ne sont pas sûrs que nos leaders seront libérés le 1er février. Bon, ça, c'est pas par le porte-parole de l'EDS, mais c'est Altamira Choco qui m'a dit, c'est lui qui m'a informé, il ne sait pas d'où était cette information, il m'a dit c'est Sibiko qui le lui a dit. Moi, je ne sais pas si c'est Sibiko, il ne sait pas de qui était cette information. Il faudrait qu'on retrace, quoi, voilà, parce qu'on dit dans le droit, tout ce que tu dis, peut se retenir contre toi-même. Voilà. Donc moi, pour ne pas que ça se retourne contre moi-même, c'est mieux de numérer les noms. Là, quand on dit, ah, qui a dit ça? Parce que EDS n'a pas fait de déclaration officielle. Voilà. D'où tu tiens ces informations? Raison pour laquelle, pour regarder le débat, ils sont indexés les noms. Il y a les vidéos qui sont là. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu parles, il faut savoir parler. Il ne faut pas parler pour dire n'importe quoi. Après, quand ça vient, tu n'as pas assumé. Moi, quand ça vient, il y a assumé. Mais néanmoins, il faut retracer les choses dans leur contexte historique. C'est en ce sens qu'ils sont en train d'énumérer les noms des gens avec vidéo à l'appui. Voilà. Donc moi, le dessin animé, je me suis posé la question. Mais pourquoi est-ce que nous sommes dans une dernière ligne droite
Et aujourd'hui, les DS, qui est une mouvance politique, voilà, ne peut pas mettre des cas à la disposition pour qu'on soit massif à la haie là-bas. C'est dû à quoi? Est-ce parce que les DS n'a pas assez de fonds? Ou bien est-ce parce que la libération du président de Laurent Gbagbo ne les intéresse pas? Voilà. Parce que la logique voudrait que ouais, c'est en ce moment-là que nous avons besoin d'assez de personnes pour aller inonder la haie. Voilà, pour montrer aux gens que vraiment notre gars veut le détenir contre son gré. Voilà, au début, on utilisait les appuis du langage en disant que non, ils sont maintenus injustement. Bon, on n'a pas de preuves. Là maintenant, on a des preuves parce que le juge, Koumio Tafuseur, il a acquitté nos deux leaders. Voilà, donc on fait comment? Voilà. Donc moi ici, je suis venu crier ma complainte, mon ras-le-bol. En tant que dessin animé démuni, qui se déplace où il y avait des gars du corps. Moi, là, Willy Bla et son groupe, ils ont lancé les cas de 30 euros. Mais moi, je ne suis pas habitué à aller à 30 euros. Voilà, je ne suis pas habitué à aller à 30 euros. Même si je dois aller à 30 euros, je paye combien? Je paye 5 tickets, ça fait 150 euros. Moi, 150 euros, il y a voir ça ou ça. Il y a appelé qui pour 250 euros. Au moins, je me retrouvais dans EDS quand EDS faisait les tickets à moins de coût. Voilà, je peux monter les preuves ici, ils sont là. Donc, EDS, on fait comment? Voilà, non, on fait comment? Il n'y a pas de cas, on fait comment? Donc, j'avais mis un numéro vert pour qu'on puisse intervenir. Voilà, c'est le numéro qui est là. Donc, ceux qui veulent intervenir, le numéro il est là. 07 58 11 07 58 11 28 74. Voilà. 07 58 11 28 74. Ceux qui veulent se prononcer. Voilà. Ou bien si tu veux pas, que moi tu vois, il peut t'appeler. Tu as te prononcer aussi. Voilà, c'est comme pour moi. Moi, c'est comme moi, je fais pour moi. Voilà, il t'appelle si t'es pas chez Ferré, toi aussi. Voilà. Donc moi, le dessin animé, je donne à la haie, il fait comment? Il n'y a pas 150 euros, il fait comment? Voilà. Si EDS est compté là, elle ne veut pas mettre carbone, il fait comment? Nous, on fait comment? Nous qui n'avons pas l'argent là, nous, on fait comment? Nous qui ne travaillons pas en France, on fait comment? On aime le combat, les babos, nous, on fait comment? On nous a habitués à aller à la haie à 15 euros, 10 euros. Maintenant, 15 euros, 10 euros n'est pas là, nous, on fait comment? 30 euros aussi là, c'est chaud. Et un peu 150 euros, bon, mais il mange combien? Voilà. Je mange comment? Voilà, je dors comment aussi? Je me mets au chaud comment? Voilà, le combat est fait là, je ne suis pas payé pour ça. Mais au moins, là, quand même, là, motivez-nous aussi à vouloir faire le combat. Mais on fait comment? Voilà, donc c'est ça que le sujet. Depuis le matin, j'ai commencé la vidéo. Depuis 10h du matin, c'est ça, mais chacune. Je n'ai pas dormi. Moi, quand quelque chose, je ne comprends pas. Voilà, je fais tout pour m'obstiner à vouloir comprendre. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont intervenus. Depuis 10h du matin, on fait la vidéo. On dit, il est quelle heure? Il est 14h, ça fait 4h du temps, en fait, je sentais ici en direct. Voilà, parce que je veux comprendre quelque chose. Pourquoi la dernière ligne droite au du EDS n'est même pas les cas à leur disposition? Mais EDS, c'est pas prononcé. Ils n'ont pas fait de déclaration. Mais les gens qui sont venus intervenir, ils ont essayé de nous dire, ah voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Voilà. Lydia Vieira, elle dit paye 30 euros. C'est pas, il n'y a pas 30 euros, il fait vidéo là. Si elle a 30 euros, elle n'est pas venue faire vidéo de ça. Voilà. Maintenant, si elle fait vidéo là, c'est pas parce qu'il n'y a pas 30 euros. Il y a 30 euros, mais il pense aussi aux plus démunis. Moi, au moins, je peux avoir 30 euros. Mais est-ce qu'ils n'ont pas 30 euros, ils font comment? Voilà. Donc, il ne faut pas être égoïste. Voilà. On dit le combat. C'est l'union qui fait la force. Ensemble, seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est dans cette logique que je m'inscris. Voilà. Si je voulais être moi, celui-là, moi, j'allais venir payer mes 150 euros tranquille. Mais regarde quoi, moi, je ne fais rien ça. Mais ceux qui ne peuvent pas avoir 30 euros pour aller à la haie, ils font comment? Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ne me dis pas. Paye tes 30 euros. Voilà, 30 euros, c'est pas payé. Si vous pouvez payer là, ou même si vous pouvez payer là, j'ai pas venu faire vidéo. Mais j'ai fait vidéo parce que je me suis toujours inscrit dans la voie des 100 voix. Voilà. Donc cette expression que vous utilisez toujours, voie des 100 voix là. C'est moi qui ai introduit ça dans la fin des vidéos. Voie des 100 voix. Voilà, donc il sait de quoi il parle. Lydia Vieira. Voilà. Donc si tu veux intervenir là, viens prendre le téléphone. On t'appelle puis tu parles. Voilà. Donc c'est ça le problème de ce soir. Elle voulait intervenir, Divine Dédé, attends. Divine Dédé a dit comment? Elle veut intervenir. Bon, ok. Tu vas intervenir. Tu veux toujours intervenir. Tu veux intervenir, on est en direct, hein? Allô? Ouais, tu veux intervenir, on est en direct, là. C'est tout, ça continue toujours, hein? On laisse pas à faire, là. Ah bon? Ouais, aïe. Toi, tu connais pas mon affaire, bien quoi. On est dedans, hein? On est en direct. Tu dis quoi encore? C'est quelle affaire encore? Ça fait des cas là. Ça fait des cas là qui continuent? Ça continue. Aïe, c'est bon, ma affaire, laisse. Mais si c'est
c'est affaire de cas là, chacun n'a qu'à prendre ce qu'il peut prendre. On est fatigué de toutes ces conneries là. Non, tu es sûr que tu es en direct? Moi, je suis en direct. Aïe, est-ce que moi c'est ma musique? Moi, c'est ma musique, mon travail. Je suis en direct. Tu es en direct sur quoi? Direct sur ma page, je demande dessin animé. Attends-moi, tu te dis, on t'entend. Tu sais pas ça, oui. Ah bon? Ah bon, d'accord, faut t'amuser. Toi, tu viens jouer à mon travail. Quoi. Ça, c'est mon travail, tu vas même. C'est très des vidéos que j'ai fait là. C'est ça? Bon, toi, tu es en ligne en direct, c'est vrai? Attends. Ah, donc tu es dessus. Les gens. Ah oui, les gens se prononcent encore là, c'est ça? Hein? Faut te prononcer, t'es en train de tituber. Tu m'as appelé, t'as dit, ouais, ici en direct. On fait comment? Pour les cas, on fait comment? Les cas, franchement, s'il y a un seul groupe qui fait. Comment tu organises les cars, c'est mieux, vous allez aller là-bas. Pour ceux qui ont des voitures, ils prennent des voitures. Toi, tu les gardes de quoi là, tu les réduis. Ah, les gars, moi, les gars, de quoi, ils ne veulent pas. Si on m'agresse à l'arrière, moi, je fais comment? Tu vas t'agresser là-bas. Mais tu demandes une participation. Non, honnêtement, pour vous dire vrai, si y a un groupe qui organise, il faut qu'on se mette tous ensemble pour aller à la haie. Ouais. Pas bien de faire des histoires parce que là ce que tu es en train de dire là, si l'autre camp organise, s'il y a deux camps, tu vas voir qu'il y a des injures. Mais pourquoi les injures? Est-ce qu'on a oublié de baigner dans la gaminerie? Quand tu parles d'injures, injures, ça, mais moi je comprends pas. Mais moi ce que je comprends, putain, pas, c'est un truc de fou, je te jure. La vie de ma mère, ce que je comprends pas, c'est que les gens disent que non, il y a un autre camp qui veut prendre ça pour comment on dit ça. Pour faire une pub pour son parti politique. Non, ça fout de ça. Il dit, moi, ça colle moi là. Il n'a qu'à avoir trois. Ils sont venus casser la manifestation à Paris. Mais les manifestations qu'on fait à Paris, là. Les manifestations qu'on fait à Paris tous les samedis, là. Ils font une quête là-bas, comme à l'église. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Ils font une quête. Ça, c'est pas mon affaire, ça là. S'ils font une quête, une part, ça, c'est pas mon affaire. Non, mais c'est ça aussi, parce qu'en fait, chacun, il gagne. Chacun gagne quelque chose dedans. T'as des preuves de ce qui t'avance là? J'ai dit, moi-même, attends. Bon, ok. Alors, comme tu veux parler, on va s'attaquer. Eux, ils font une quête. Oui, vas-y. On va s'attaquer tout à l'heure. Eux, ils font une quête. Comment on dit quête là? C'est comme à l'église. Ça veut dire que. Non, j'en viens. Eux, ils font une quête là. Voilà, c'est pour aller voir maintenant des opérateurs pour mettre les cas à disposition. Voilà. Ils font une quête. Au fait, pour faire. Ah, la quête là, c'est pour faire ça? Écoute-moi. Non, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Mais comme je suis intelligent, j'étais emboîté le pas. Tu me dis, ils font une quête. Une quête, ça peut servir de caution. Parce que quand tu dois louer quelque chose, tu déposes une caution. Après, c'est une caution et il dépose. Tu lui fais une quête. Voilà. Mais les quêtes, ça peut être une caution. Toi, tu vas à l'église. Ça fait rien. Toi, tu vas à l'église, ta quête, tu fais ça va où? Toi, tu vas à l'église, ta quête, tu fais ça va où? Mais la quête, c'est pour qui? C'est pour les travaux. Voilà. Ah, la quête, c'est pour les travaux. Et les quêtes, c'est pour mettre une caution de cas. C'est pour entretenir l'église. Si tu veux une réponse, on peut parler tranquillement. Hein. Moi, je suis pas en train de. Je me cache de rien. Il y a un problème qui est là qui ronge la résistance. Il faut qu'on en parle. Et sérieusement. Quand tu vas à l'église, quand tu donnes une quête, c'est pour l'entretien de l'église. Voilà. Maintenant, les manifestations qu'on fait à Paris tous les samedis, là, moi, ma tante, elle partait souvent. Ils font des quêtes. Les quêtes, ça fait quoi? Quête là. Depuis 2011, on fait les manifestations. Les quêtes, ça fait pourquoi? C'est pourquoi? Je dis les manifestations de Paris, là. On n'oblige pas quelqu'un à donner de l'argent, mais on fait passer un truc et les gens mettent ce qu'ils peuvent dedans. Voilà. Ça, je le dis parce que je ne suis pas en train de faire. Bon, toi, on te pose une question. Toi, tu étais militant d'un parti politique, non? Vas-y. Tu étais militant d'un parti politique, non? Tu as été militant d'un parti politique, toi? Moi, je ne suis pas militant d'un parti politique. Moi, je suis. Mais il faut savoir que là, ils ont fait quête, c'est que c'est une association. Donc ta grande soeur, quand elle veut t'expliquer, elle t'explique bien, c'est dans quelle optique ils ont fait la quête. Ça, c'est une association. Après, dans toute association, est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un parti politique? Un mouvement politique? Écoute-moi bien. Est-ce que forcément. Non, c'est pas un parti politique. On doit vous l'attendre dans beaucoup de choses. Là. Si je ne sais pas comprendre quelque chose, je te jure, voilà, il est là. Non. Parce que même dans l'association, on fait cotisation, on cotise. Association, on fait cotisation. Si à l'église, on fait quête, c'est pas association, on fait cotisation. Aïe. Donc, ils font quête, ta soeur l'a vu, ils font quête. Mais elle a cherché à savoir la quête, c'est pourquoi. Après, il y a plus de quelqu'un qui est cassé, c'est pour réparer, c'est tout. Voilà, comme toi, tu dis, what, quête d'église, après, pour réparer l'église. Le gars, l'orateur, qui vient vous entretenir chaque jour à la place de la République, si sa voiture est cassée, il n'est pas rémunéré. Il peut dire, ah bon, on va faire quête pour le soutenir, c'est un truc comme ça. Donc, si ta soeur l'a vu, les gens en train de faire la quête, elle peut demander, ah, c'est pourquoi la quête?
On a expliqué. Mais autrement dit, avant le cas de figure quête, elle dit non, il faut la quête. Mais la quête, c'est pourquoi. Maintenant, moi, je t'emporte le pas pour dire la quête, ça peut servir de caution aussi pour aller prendre les cas. Parce qu'on va prendre les cas, on va pas quoi pour dire on va prendre les cas. Il y a des cautions, on dépose. Tu sais le dessin, tu sais le dessin. Tu m'entends? Je t'entends bien, 5 sur 5. Tu sais le dessin, la lutte qui est en train d'être menée à Paris, qui va prendre fin par la grâce de Dieu, moi, j'y crois fermement. Là. C'est pas la peine d'accuser un tel camp. Ce n'est pas la peine d'accuser un tel camp. Le camp qui est là aujourd'hui, là, qui organise des manifestations à 10 euros, à 15 euros, là, et que les gens disent que non, c'est à cause d'eux que la lutte est, comment on appelle ça, est divisée et tout ça. Aujourd'hui, bon, là, on a appris que c'est EDS. À la tête, il y a le président de l'UNG. Mais tu sais, aujourd'hui, ils ont dit qu'il ne faut pas des manifestations, mais ce n'est pas grave. Tu sais, aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas envie de le faire parce que voilà, il y a d'autres enjeux. Peut-être tout à l'heure, comme Atamira Choko a dit non, que le président Bagouama a dit non, qu'il ne veut pas trop. C'est ce que j'ai entendu. Le président Bagouama a dit quoi? Peut-être que j'ai mal entendu. Non, ils veulent pas trop de brouhaha, je ne sais pas. De brouhaha. Vous êtes sûr quand vous. Et puis quand vous dites ça, ça sonne bien dans vos oreilles. Non, peut-être que comme toi, tu es en direct, toi, tu peux me dire exactement. Parce que moi, il m'a dit. Voyez ce qu'il m'a dit. Voilà. Écoute-moi bien. Il dit, voyez ce que l'EDS a dit. Voyez ce que Issy Biko lui a dit. Issy Biko lui a dit, ah, EDS n'a pas mis les cas des gens à la disposition des plus démunis. C'est-à-dire nous là, les militants là, c'est moi qui appelle les démunis. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, ouais, mm-hmm. Ils ne jugent pas nécessaire qu'on aille on effectue le voyage à la haie, puisque c'est pas sûr que le président Gbagbo soit libéré ce jour, 1er février. Ça m'a dit, votre alibi, ça ne tient pas. Parce que nous, on va à la haie là. Mm-hmm. Ce n'est pas pour nous acquérir d'une libération. Nous, on va pour le soutien. Donc nous on veut soutenir, on ne va pas parler pour dire s'ils sont libérés ou pas. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On doit soutenir, nous, on soutient. Voilà. Donc votre alibi, fallacieux, ça ne tient pas. Voilà, nous, on est intelligents, il ne faut pas nous mastiquer la cervelle. Voilà, donc votre alibi là, allez chercher votre alibi. Voilà. Dites-nous la réelle cause de pourquoi on ne veut pas car à l'expulsion. Nous, on ne dit pas que non, le président Laurent Gbagbo dit ouais, on ne veut plus du bruit. Ah, Gbagbo, c'est pas lui qui a appelé les gens d'aller manifester. Hein. Lui, il est en prison, il sait rien. C'est nous-mêmes, on dit on s'en va marcher. Gbagbo n'a jamais appelé quelqu'un pour dire allez marcher pour moi, jamais. Voilà, donc faut pas avoir une fatigue un peu pour dire Gbagbo. Faut pas avoir dit que Gbagbo dit non, que ouais, il veut pas que les gens viennent passer à tout le bruit. Laissez ça là. Voilà, Gbagbo il a plus. La partie du président Gbagbo, j'ai pas bien compris. Voilà, mais donc il était clair maintenant. Tout à l'heure, et ce que tu as dit, ça c'est vrai, ça c'est ce que j'ai entendu concernant EDS. Mais voilà, faut pas que les gens pensent que il y a un parti politique qui est contre la libération du président Gbagbo, c'est une politique. Non. Moi je n'ai jamais dit. Attends, il faut me laisser parler. Tu sais, les partis politiques là, toi aujourd'hui tu crées ton parti politique. Tu peux être contre Gbagbo, mais tu as ton parti politique, tu as aussi des ambitions politiques. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions politiques. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la libération du président Gbagbo. Parce que les gens, ils n'existent pas. Les gens qui prennent des directs là, oui, on dirait qu'il y a un parti qui est contre la libération du président Gbagbo. Non, personne n'est contre la libération du président Gbagbo. Là, il a 74 ans dépassé. Il sort de prison, peut-être qu'il va faire un mandat, peut-être. Et puis après, il va prendre sa retraite. Mais il faut une nouvelle génération. Donc les gens qui ont des ambitions politiques, vous n'allez pas les empêcher d'avoir des ambitions politiques. Là, ici, d'accord avec toi. La première monnaie. Vous êtes là quand il y a un problème. Non, parce que lui, là, il n'aime pas beaucoup. Voilà, nous tous. Écoute-moi bien. Problème parce qu'il fait le combat. Il fait le combat aujourd'hui de la libération de notre pays. Que depuis, il réclamait, les gens pensaient qu'il était un menteur. Les blancs même qui sont ici là sont en train de parler de ça. Les Italiens qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui ont décolonisé les pays africains depuis là. Ils sont dit que la France nous pompe. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le suit. Mais il a 74 ans. Il est 74 ans, c'est beaucoup d'âge. Donc demain, là, il va partir. Il va partir. Et après, il y a une nouvelle génération qui est là. Donc si les gens ont des ambitions politiques, laissez-les. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la libération du président Gbagbo. Non, mais après l'ambition politique, je suis d'accord avec toi. Parlez la première année. Eh oui. La première année. La première année. Blé Goudé, le plus Gbagbo. Mais il a son parti, donc, qui est le COGEP. Voilà, oui bien. Donc, c'est son droit le plus absolu. Il n'est pas obligé d'être FPI. Moi qui te parle, moi je ne suis pas FPI. Mes parents sont FPI. Mes frères sont FPI. Moi je ne suis pas FPI. Voilà. Parce que les gens ils confondent. Moi je ne suis pas FPI. Moi je suis pour Gbagbo. Mais votre histoire de dire ouais, Gbagbo ou rien. Moi je ne suis pas Gbagbo ou rien. Parce que Gbagbo lui-même n'est pas Gbagbo ou rien. Voilà. Et puis moi j'ai donné une définition à votre histoire de Gore. Gore là, vous dites Gbagbo ou rien. Gore en réalité ce n'est pas Gbagbo ou rien. Voilà, c'est la gaminerie orchestrée dans la résistance. Parce que vous dites. C'est des polémiques. Abel là qui même qui est ici. C'est des gamins. Abel là qui même qui était au devant des manifestations aujourd'hui là. Les gens lui ont reproché quoi? Parce qu'il allait à Abidjan et tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas de la manifestation, ça ne fait pas de lui un homme qui ne vit pas. Il vit sa vie, il suit sa ligne politique. Mais les gens, quand ils apparaissent ici, là, on veut
il veut qu'on dise que c'est eux qui sont au devant des manifestations politiques. Et ça crée des embrouilles en un point fini. Avec la aussi, il pourrait se plaindre parce qu'il a fait plusieurs gardes à vue tout à l'heure dans ta vidéo sur ta page de ça à Milton Dess sur les réseaux sociaux. Tu as souligné ça? Mais ouais. Quand Abel Laki disait tout le monde dans la rue, mais nous tous on était dans la rue. Aujourd'hui là, on dit il est parti à Abidjan, il a rencontré des gens. Il les Ivoiriens le boudent. Mais aujourd'hui là, il n'est pas mort, il vit sa vie, il a sa ligne politique, il suit. Mais voilà, il n'est pas en train de pleurnicher sur les réseaux sociaux, mais on fait quand il y a deux groupes là, l'autre quitte là-bas, il est sur son ami. L'autre, tu as volé l'argent, l'autre, tu as fait ça. Même si j'ai volé l'argent, moi, mon année que je veux là, je prends pour mettre à disposition des gens pour qu'on aille à la haie. Est-ce que c'est mauvais? Ils n'ont qu'à arrêter, ils mettent les. Je vous encore devant 10, vous, et je vous mettez par là où il n'y a pas de palabre. Vous mettez là où il n'y a pas d'histoire. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Bon, même demain, s'il est libéré là, il va vous tous là, vous tous, il va vous prendre. Il est un homme de paix, il va parler avec tout le monde, il n'est pas comme ça. Donc, les histoires que vous êtes en train d'écrire sur les réseaux sociaux là, de qui mobilise plus que l'autre là, tout cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas, c'est pas un homme qui est comme ça. Ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Vraiment, il faut qu'on arrête. Donc, toi, tes gars de quoi là, il faut leur dire que aujourd'hui là, nos gars payaient 30 euros. Moi, si jamais aller à la haie, mais j'ai pris goût. Voilà, parce qu'il sait que ouais, nous sommes à la droite. Il doit montrer qu'il soutient aussi. Même s'il fait vidéo, vu que ça ne suit pas, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Tu vois? Donc on m'a habitué à quelque chose. Moi, j'avais une explication. Pourquoi? Moi, c'est mon droit le plus absolu. Voilà, parce qu'il me réclame pro Gbagbo. On dit EDS, c'est une mouvance pro Gbagbo. Il sait que EDS, il y a un chef. Dans le chef, il peut nous dire, il peut faire une déclaration. Non, on ne met pas les cas parce que quand c'est fini. Moi, j'ai pris un billet comme c'est tout, mais on ne peut pas mettre les gens dans une ambiguïté totale. Voilà, parce que moi, j'ai déjà appelé à les athées. Il dit, mais c'est comment, faut t'as fait des cas là. Et j'ai 30 euros. Il dit, ah, moi, mais il a fait comment? Il est parti là-bas. Ah. Elle dit, mais il n'y a pas EDS. Il dit, moi, je ne sais pas faire EDS. Moi, c'est où à cas, il m'en vient. Voilà. Moi, c'est si EDS n'a pas mis cas, sinon moi. Écoute-moi bien. C'est quelle façon même de parler même. Allez, écoute-moi. Mon Dieu, t'as. Toi-même, là, tu as quelle façon de parler. Toi-même, tu appelles quelqu'un. Il n'y a pas EDS. C'est quelle façon de parler. Écoute. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est moi qui suis allé vers elle. Voilà. Il dit, il n'y a pas EDS. Non, parce qu'il vient vers toi. Voilà, et puis moi, en cas de clair, moi, il n'y a pas avoir cas de 10 euros, il peut pas dire 30 euros. Même si elle a chié, jamais elle fait ça. Voilà, il faut qu'elle soit claire. Voilà, si Willy Bla, il fait à 10 euros, que Edith fait à 30 euros, il fait chez Willy Bla. Moi, il fait où? Nous, on aime le profit, les Africains, on aime le profit. Voilà. Mais c'est parce que là, il n'y a pas de cas. Il se peut dire, mais rabat, c'est 30 euros. Voilà. Il se peut dire, mais 30 euros. Donc, il ne me dit pas que, ouais, c'est mon don le plus absolu de parler pour dire, ouais, il n'y a pas Edith, et puis il n'y a pas Edith. Voilà, quand on commence quelque chose, on termine ça. Oui, voilà. Oui, tu peux demander. Voilà. Il n'y a pas EDS, Ils sont où ça? Personne n'est tombé. Personne n'est tombé. Aïe. Les causes aussi sont. La dictature, je n'en parle pas. Arrêtez, c'est. Les gens vont venir là, moi, je suis pas dans ça. Les causes sont là. Mais ticket payé ici, un ticket payé ici. Il y a des injures, il y a des trucs, on insulte tout le monde parce qu'à cause des manifestations, on insulte la vie. Mais vous parlez à faire des injures, c'est là tuer quelqu'un. Quand on parle de injures, c'est là tuer quelqu'un. Militaire, la rigueur, tu t'en fous, mais c'est pas tout le monde qui a envie que sa vie soit sur Facebook. Ah, laissez ça là. Ah. Tu viens militer pour une cause, tu viens défendre une cause et les gens dans ta vie privée, tu as fait ça. Jésus l'a crucifié ici, là. Tout le monde a vu. Nous sommes des disciples de Jésus, on n'est pas Jésus. Ah, mais quoi? Voilà. Donc, c'était pour intervenir. Comme j'avais pas fini. Ah, tes tickets, tu as gardé tes tickets, c'est un bon souvenir. Hein. Non, c'est la preuve. Quand on va venir parler, moi, est-ce que tu le connais? Ah bon, vous voyez ça qui est là, mes tickets sont là. C'est comme Bendigue, tu parles pourquoi tu parles là? Voyez, ticket ici. Tu vas aller à Abidjan là, il faut que tu dois mettre ça dans ton. Ça c'est une preuve de là, la vie. Hein. Yeah, ça là. Tu vas aller à Abidjan là. Ça là, il prend ça. Là, tu le connais. Il prend ça en photo bien. Yeah. Ça là, quand il finit, il met ça dans l'album. Dans mon album. Là, tu vois ça en discute, là, dans le 17. Tous vos commentaires déplacés là, moi, ici, là, moi, il n'y a rien à faire. Pardon, les captures, les crânes, et puis il gâte. Là, tu me connais. Ticket ici. Appelons à la paix. À l'apaisement, bientôt ça va se passer. S'il n'y a pas eu de cas de la part d'EDS aujourd'hui, les autres cas, c'est ça, 30 euros. Je trouve que c'est un peu cher. Tu me disais que moi, je dis pour moi, c'est un peu cher. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir 30 euros. Et puis, comme Hervé Guéguet dit tout à l'heure, avant il était à Lyon, et de Lyon, il venait sur Paris. Tu vois, il y a des gens qui se déplacent pour venir sur Paris pour prendre les cas. Tout ça, ça revient cher. Mais ceux qui peuvent partir, ils sont bons. Et puis ceux qui peuvent partir aussi, qui peuvent les soutenir par des vidéos, mais par des. Oh, je sais pas.
Mais on attend, ce n'est pas le moment parce que là encore, ils vont venir s'embrouiller, les pauvres babons vont s'embrouiller encore. Actuellement, là, tout le monde regarde tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça va encore créer, ça ne sert à rien. Et moi, ta question, c'est une bonne question. Est-ce que pourquoi il n'y a pas aidé aujourd'hui? On ne va pas t'en vouloir parce que tu as posé cette question. C'est mon bonus. C'est pas aidé. C'est eux mon bonus. C'est mon bonus ticket là. C'est eux. Je peux poser question. C'est parce que le parti était là pour se faire voir. Je pense que personne n'est là. Personne n'est là pour se faire voir. Parce que, hormis les cars, là, il y a des gens qui travaillent aussi pour la libération du président Gbagbo qui vont voir des gens qui se déplacent dans les pays. Nous, on ne sait pas. Nous, c'est les manifestations. On voit en dessous. Il y a des gens même qui sont sur Facebook, même qui n'ont jamais fait du poste sur Gbagbo, qui travaillent aussi pour la libération du président Gbagbo. Moi, ce n'est pas seulement les cas qui contribuent à la libération du président Gbagbo. À un moment donné, on passe sur le terrain. Voilà, il y a des trucs sur le terrain. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de dire que personne, où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui est contre la libération du président Gbagbo. Parce que c'est un souffle pour nous, c'est un souffle pour notre pays. Tout le monde est pour. Maintenant, après les ambitions politiques, ça va venir. Parce que le monsieur, même, il est déjà un peu âgé. Après ça, la seule qui veut Ok. Tu as trop parlé là. Moi, je vais t'expliquer le problème. Je te laisse, toi. Non, attends. Tu as trop parlé. Écoute-moi bien. Tu as trop parlé. Écoute-moi bien. Tu as trop parlé. Moi, je vais t'expliquer le problème. Moi, il a payé 150 euros pour mes gars de corps. Toi, c'est quoi ton soutien? C'est fini. Il faut pas trop parler. Moi, il a payé 150 euros. Moi, il fait comment? Ils sont combien tes gars de corps là? 4 gars de corps. Plus moi, avec 5. Avec 150 euros. Moi, il fait comment? Avec 150 euros. 4 fois 3, ça ne fait pas 12. C'est là, je vais calculer. 30 plus 5. 30 fois 5, c'est combien? 5 fois 30. 5 fois. Ils sont 5. Oui, ils sont 5. Ça plus, fait 15, donc ça fait 150 euros. Plus moi, ça fait 150 euros. Non, on fait comment? C'est quoi ta contribution? Donc, après tu m'appelles. Tu t'appelles après, non? Il ne faut pas t'appeler parler devant les gens pour dire après t'appeler, puis après, quand t'appelles enregistré, hein, tu me connais, il y a enregistré. Mais si tu as parlé par un bizarre, même si Facebook dit, voilà, la fille qui est intervenue là. Elle s'appelle tant divine d'aider. Elle dit qu'il se conseille quoi, c'est moi, c'est l'auto. C'est fini. Voilà, moi, je finis avec toi. Voilà. Ok, donc bonne continuation. Bonne continuation. Ok, ciao. Ok. Voilà, les gars, on doit partir à la haie. Voilà. On doit aller inonder la haie. Il n'y a pas de cas. On fait comment? On doit être solidaire. Ceux qui ont des voitures, ceux qui ont des bâchés, ceux qui ont des cas, qui n'utilisent pas. Voilà, mettez ça à notre disposition. Nous, depuis 2 minutes, on partir à la haie. C'est la dernière ligne droite. Voilà, on doit montrer aux gens là qui Gbagbo a du monde derrière. Voilà. Ceux qui n'ont pas fait les vidéos, on ne vous a pas fait les vidéos. Mais au moins, si vous avez la disposition, vous avez les moyens de mettre la locomotive à disposition des gens, on peut vous solliciter. Voilà. Maintenant, Véronique, eh bien, si tu veux intervenir aussi, il y a des numéros qui sont là. Ceux qui veulent intervenir, pour donner leur petite contribution. On dit que c'est pour cette vidéo, c'est pour ça qu'il fait cette vidéo-là. D'habitude, il ne fait pas de vidéo pour intervenir, mais aujourd'hui, là, tout le monde doit parler. Voilà. Je vais mettre mon numéro. 07 58 11 28 74. Voilà, Isaac est là. Épingle le numéro. Voilà. Mais pourquoi il n'est pas épinglé le numéro? Pourquoi il n'est pas épinglé le numéro? Divine Dédé, pardon, épingle. Pourquoi épingle le numéro, s'il te plaît? Divine Dédé, s'il te plaît, épingle le numéro là. Il faut épingler le numéro, s'il te plaît. Voilà, donc pour ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent donner les choses, leur avis. Voilà, Enza Koné. Non, on doit partir à la haie. Il n'y a pas qu'à. Non, on fait comment? Voilà. Ce n'est pas une question de parti politique. Voilà, c'est une question de dire Gbagbo, il a embrigadé. Voilà, ça a dépassé le cas du parti politique pour dire non, Gbagbo, non, c'est plus l'affaire du FPI. C'est un noir qui est kidnappé. Qui est kidnappé, on fait comment? Pour aller créer justice. C'est ça qu'il s'agit. Si on laisse l'histoire de dire non, que ouais, c'est pour Gbagbo. Ou bien c'est 30 ans. Voilà, les Italiens, ils vous ont nié. Donc ceux qui sont les moutons du RDR pour dire non, que ouais. On a lui donné la vérité. Voilà les Italiens. Ils ont dit ce qui est réel. Italiens même, ils ont dit ce qui est réel. Donc vous les manipulez là. Arrêtez un jour. Voilà. Arrêtez un jour qu'on vous manipule. Soyez lucide un jour. Voilà. Soyez lucide un jour. Non, quand on fait une vidéo, c'est pas parce que ouais, on est trop fan de Gbagbo, on est trop fan de FPI. Non. Mais on parle pour notre pays. Pour l'émancipation de notre pays. Pour notre bien-être. Comment vivre. Voilà. Dans la décence. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, on ne veut pas voir un Ivoirien dans son pays souffrir. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, on veut qu'un Ivoirien est malade, il peut avoir accès aux soins. C'est pour ça qu'on lutte. Voilà, sinon moi, si ce n'est pas pour ça là, tu crèches là, fait, moi je m'en fous de toi. C'est quoi mon problème? Est-ce qu'on est de la même famille? Mais il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas avoir des pensées rétrogrades. Parce que si les Blancs ils avaient pensé comme ça à être égoïste, ils n'allaient pas être développés. Voilà, ils n'allaient pas être développés. Voilà. Ouattara Youssouf,
On n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de faire don ici. Voilà, donne tes idées, c'est tout. On n'a pas besoin de faire don ici. Là, on n'a pas besoin de ton argent. Voilà, je suis venu exposer un problème. Il dit pourquoi l'IDS n'a pas fait de déclaration. Voilà, ton histoire, tu donnes là. Il y a les gens qui sont à la fois les prisonniers qui sont à chez la Macala. Tu peux faire don là-bas. Dans ceux qui veulent intervenir, 07 58 11 74. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, on passe à la musique. On a passé moi cette vidéo. C'est pour moi que je l'ai fait parce que c'est l'IDS qui m'a permis de fouler pour la première fois le sol de l'Hollande à la haie. Voilà. Je ne peux pas dire non, puis être un gars pour dire IDS c'est quoi. Non, mais moi je veux savoir pourquoi il n'y a pas de cadre de disposition. Voilà. Vu qu'ils n'ont pas fait de déclaration officielle. Voilà, j'ai attendu les unku dans les bouts de couloir. Voilà ce qui se passe. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Voilà, si c'est vraiment ça, c'est un alibi qui ne tient pas. Voilà, parce que nous, quand on va à la haie, ce n'est pas pour une libération immédiate. Nous, on va pour soutenir nos leaders. Voilà, maintenant, si on va pour les soutenir, que libération est sortie, on fait avec. Voilà, chez nous, dans l'armée, il y a un thème qui dit, quand ça surprend, quand ça te surprend, c'est que c'est ce qui est réel, c'est que ça au fond. Voilà. Dis quoi ces gars? Donc c'est ça. Voilà, c'était la vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment moi qui fait cette vidéo. C'est pour moi qui fait cette vidéo parce que je ne peux pas aller à la haie. Il a payé l'anime, il a payé mes gars de corps. Plus moi, c'est chaud. 150 euros, putain, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. 150 euros, c'est chaud. C'est chaud. Ok, et Dieu s'en va, il payait beaucoup. Il payait beaucoup de tickets. Mais là, c'est les tickets qui sont là. Il y a tout le gars. Moi qui paye, il garde. Hein. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, ah, tu parles, tu as payé quoi, ça. Il garde ici, les tickets sont là. Il y a le nom dessus. Ah, c'est pour le 30 septembre, il y a ça qui est là. C'est propre même. Ah, ça aussi. C'est propre aussi. Il y a tous les tickets, il garde ça sur moi. Voilà, comme preuve. Voilà. Quand tu es procéduré, il faut toujours avoir des preuves quand tu veux t'exprimer. Voilà, pour avoir toujours raison. Voilà, c'est comme ça y est. Voilà. Question. Il n'y a pas cas, s'il n'y a pas question. Rien, il appelle tout ça. Il appelle tout ça. Ah, champion. Moi, il ne sait pas WhatsApp ici. Il faut comment tu veux que tu appelles sur WhatsApp. Attends, j'ai fait pas de connexion. Ça s'appelle comme lui, voilà. Pas de connexion. Attends. Et pas de la connexion avec ce. Ici, là. Les gars, attendez. Hein. J'ai fait pas de connexion. Pas de connexion. Dessin animé. Vidéo. Non, c'est ça. Voilà. Lui qui m'appelait, c'est qui ça? Attends son nom. C'est un numéro bizarre. Je veux un ticket. Attends, je sais pas comment. 00339, c'est pour ça. Détail. Il a enregistré. Je vais enregistrer son numéro et puis je vais sonner sur WhatsApp. Voilà. Je mets Roula. Son nom c'est Roula. Roula. Je mets Roma. 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 Voilà. Donc voici WhatsApp. Omar. Toi Abdullah, tu viens d'apporter tes condoléances, il y a été supprimé, tu vas comprendre. Ouais, tu es là, faut pas grandir, il faut être con dans tes raisonnements. Chien. Ma. Du coup, je passe les gars. Ouais, allô? Ouais, bien sûr.
Voilà, tu es en direct, là, faut t'exprimer. Ouais, c'est comment? Voilà, tu voulais dire quoi? Tu es en direct, là. Tiens, vous allez crier, crier, appeler les babouins, nous m'en parler les amis, à quoi? Allez, toi, tu as appelé, tu as appelé, tu voulais savoir quoi? Oh, vous quittez là-bas. Ah oui, bon, ça, vous entendre la voix, ça peut être un gars du RDR. Hein. C'est eux qui sont mal élevés, sauvages. Voilà, vous m'avez bien vu, hein, devant vous. Ils ont monté leur cadence intellectuelle. Tu appelles quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je te rappelle, tu viens intervenir. Tu viens, tu. Putain. Toujours à l'image du chef. Jacarija Konaté. C'est quoi ton numéro, Jacarija Konaté, là? C'est quoi ton numéro? Il appelle-moi sur WhatsApp. Mon numéro, c'est 07 58 11 14. Appelle WhatsApp, c'est ça, là. 07 58 11 28 74. Vous avez vu, hein? C'est eux qui se croient, ils sont toujours. Toujours quand on dit qu'ils sont mauvais, ils aiment ça. Tu appelles quelqu'un, tu le bipes, il fait un effort pour faire peut-être des connexions. Pour toi, t'appeler, pour donner ton opinion. Tu jettes, tu l'insultes, cadeau. Et quand ça, les gens ne voient pas ça. Quand on va insulter, c'est pour nous envoyer, pour nous non insulte. Moi, si un qu'on a qui est là, par sa voix, tu sais que c'est un RDR. Voilà, son accent, mais tu sais que c'est un RDR. C'est quoi toujours? Ils s'illustrent toujours de la plus mauvaise manière. Et après, quand tu les réprimandes, ils vont venir dans que ouais, c'est eux qui sont lésés. Voilà. Je ne comprends pas, mon cher. 07 58 11 28 74. Vu qu'il voulait appeler là, il ne sait pas. Jack Alida Konaté là, voyez ce numéro qu'elle là. Il faut appeler sur WhatsApp. Voilà, tu as donné, ton opinion. Si tu veux insulter aussi, il faut insulter. Moi, il prend tout. Il prend un jus, il prend tout. AS Love, voici mon numéro qu'elle a. Toi, il faut appeler sur WhatsApp. Ou même direct. Voilà. Si c'est un jus, il prend. Il dit, Alex Kofi, mon frère, tu te rappelles Nuit Black à Bobo. Nuit Black, c'est un maquis à Bobo. Mais ma photo était connue là-bas. Ouais. Aslof, il a mis le numéro. Voilà. Si tu peux appeler en direct, tu appelles sur WhatsApp. Le cas contraire, moi, je ne connais pas ton numéro. Je ne peux pas t'appeler. Je ne sais pas comment faire pour t'appeler. Allô? Ouais, qui m'appelle? Ouais, à qui est l'honneur là? Ouais, faut baisser ton direct là, faut baisser là-bas. Ok, je te dis. Allô? Ouais, faut diminuer ton volume là, diminuer ton volume de ta télévision là, diminue ça. Ok. Allô, je dis. Je t'écoute, hein. Ok, vous êtes sur le cas de Bagbo, non? Ouais. Je te donne un conseil. Ce que tu fais, c'est bien, non? Ok, moi, je te conseille une chose. Bagbo a travaillé toute sa vie, même s'il sort en prison, il a son argent à manger. Toi, là, il faut laisser tes dreads là et partir travailler. C'est ça le plus mieux. Bagbo, il a toujours construit sa vie. Toi, là, restez derrière les gens, les hommes politiciens, là, à parler sur eux, ils sont là à continuer à travailler. C'est le conseil que je peux te donner. Va partir travailler, laissez Bagbo. La politique n'arrange personne. Ok, c'est pour eux, les politiciens. C'est eux qui vont manger. Nous, on reste à payer les pots cassés. Allô? Allô? Bon, vous voyez. C'est toujours. Le Seigneur toujours nous délivre. Des gens qui ne sont pas ivoiriens. Un accent. C'est un sas par accent togolais ni guinéen. Un somalien qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Lui vient s'immiscer dans nos problèmes. Ça, c'est un somalien qui vient. Putain, non, ouais. Les gens vont rien finir de nous supprimer. Un gars qui n'est même pas ivoirien. Non, pas entre nous, ivoirien. Toi, un somalien. Somalien, tu viens, tu mises dans notre. Putain. Ouais. Son accent, ce n'est pas un accent ivoirien, ni guinéen.
ni Burkinabé. On se connaît entre nous la sous-région, on connaît notre accent, on se connaît. Lui, ce n'est pas un Guinéen. Ce n'est pas non plus un Togolais, ni un Béninois, ni un Ghanéen, mais un Somalien. Tu quittes en Somalie, Côte d'Ivoire, tu as tenu par une époque, tu veux te mettre dedans, cadeau. Putain. Ouais. Ouais. Molaï, ce n'est pas Sénégalais ça là. Ce n'est pas accent Sénégalais ça là. Lui là, ce n'est pas un Sénégalais. Voilà. Ce n'est pas un Sénégalais. Ouais, faire des vidéos, c'est dur. Hein. Moi, laisser des vidéos, ben, tout n'importe qui vient te parler. Un gars qui sait rien, il vient te parler. Et puis, il parle comme un robot. Non, lui, là, il faudrait qu'il insulte, mais c'est pas bon. Il a insulté sa mère con tout à l'heure. Attends, c'est moi, je ne passe jamais de trucs. Là. Attends, il répond. Il répond tout à l'heure. Et sa photo qu'elle a. Un gars qui. Un gars qui est un crève la fin comme ça, vous pouvez. Et lui là. Ah, il coupe. Vous pouvez découcher. Allô? Oui, pardon, quoi, ici là, nous on a parlé ici devant notre là, appelez Bagoula. Nous n'est pas dedans, t'as compris, non? Voilà. Tu as appelé pourquoi? Comme t'as dit Barapa là, c'est vous te dis là, faut les appeler Bagoula, Bagoula il va plus sortir, ouais, sinon on dit ça. Mais si vous me faites vidéo, puis il parle Bagoula, t'as compris là où? Ça te dérange? Eh, hey, il va pas sortir. Mais attends, moi si je fais vidéo, et puis il trappe, t'as compris là où? Eh, hey, va travailler, Joe. Aïe. Va para, champion. Faut aller travailler. Il dit, moi, il fait vidéo. Toi, là. Attends, toi, Johnny, là, allez-y travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Bah, ouais, il va plus sortir. Voilà. Ouattara, il dit quoi? Ouattara, tu as dit quoi qui n'est pas compris? Hein? Ouattara, il dit quoi? Il dit arrête ça, vous appelez les Africains pour vous soutenir. Ah donc, c'est parce qu'il appelle les Africains pour vous soutenir qu'Africains va lui manquer de respect. Allô? Allô? Et puis, c'est des gens qui sont vilains, vilains. Putain. Non, ça. Ces gens, ils sont vraiment. On a du boulot, on a du pain sur la cloche. Attends, qui a appelé tout à l'heure? Il vient d'appeler tout à l'heure. Allô? Allô? Ouais, en direct, dessin animé. Tu es en direct. Ouais, tu es en direct, ouais. Donne ta part de vérité. Quoi? Allô? Mais tu as appelé, c'est pour intervenir, non? Ouais, j'ai appelé, c'est pour intervenir, ouais. Ouais, mais tu es à l'antenne, faut parler, on t'écoute, faut parler, on t'écoute. Et faut diminuer ton vieux portable là-bas là. Oh, tu peux pas dire t'attends toi-même. Diminue ton portable là-bas là. Oh. Allô? Mais tu as appelé pour intervenir, non? Oui, je dis. Comme les gars sont en train de dire là, il faut toujours aller travailler. Il faut travailler, il faut laisser un peu de politique, il faut laisser un peu de bambou à la salle, quoi que ce soit là. T'as compris? Ah, mais je disais.
Allô? Là, vous voyez comment ils sont cons? Ça, c'est les gars du FDR. C'est eux, toujours. Non, Marcel Akba, il ne répond pas. Mais il ne peut pas savoir qui appelle. Il n'y a pas la photo. Donc, moi, il décroche. Voilà, moi, je veux qu'on donne une réponse. Moi, je ne peux pas savoir qui appelle. Maintenant, c'est eux qui montent les carences et tout. Voilà, moi, je ne peux pas savoir qui appelle. Il ne peut pas savoir qui appelle. Voilà, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Voilà. Quand tu me dis, va travailler, on dirait comme si, ouais, je mangeais chez toi ou bien tu m'avais vu devant une mosquée en train de demander de l'argent. C'est vous qui vous glorifiez toujours. Non, petit Doula, il a l'argent, il a l'argent. Mais pourtant, quand on a l'argent, on sait ce que tu es lorsqu'on voit ce que tu possèdes. Voilà. Si vous aviez l'argent comme tant vous le clamez là, au nom là, c'est un petit pari. Voilà. Mais force est de constater qu'il n'y a pas l'eau potable là-bas. Alors, on a encore du verre, on sait de quoi, on se connaît entre nous. On doit arrêter de raconter toujours, ouais, quand on parle, c'est vous qui, vous dites non, vous êtes travailleur, vous avez de l'argent. Mais là, quand on travaille, ça vous fait plaisir. Votre amour gagne, vous faites quoi ça? Voilà, vous tous, on sait que vous êtes les milliardaires de la Côte d'Ivoire. Mais le nord là, pourquoi c'est pas développé? C'est ça les vraies questions qu'on a se poser. Donc arrêtez de toujours bomber la poitrine pour dire non, c'est nous les petits doulas, on travaille, 30 ans, barab. Mais encore, barab là, c'est pour être propre, c'est pour être clair. C'est pour s'émanciper. On ne peut pas barrer et puis être dans la précarité. Voilà. Nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, les milliardaires, c'est les doulas. Mais pourquoi à Mankono ou non là-bas, pourquoi il y a toujours poussière? Ce n'est pas l'État qui a venu faire ça. Quand vous dites non, Alassane Ouattara, premier, Alassane Ouattara, premier. Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui a venu construire vos maisons. Hein. C'est vous qui devez construire une maison, puis il va venir mettre goudron, les butines. Il va venir mettre chez nous, dispensaire. Voilà, société. Sinon, Alassane Ouattara pas venu construire et oublier. Alassane Drama Ouattara pas venu construire maison. Lui construit pas maison. C'est l'État. L'État, c'est toi. C'est tout le monde. Voilà. L'État, ils sont chargés de mettre bitume. Bitume, c'est goudron en bon français. Voilà. Le bitume. Construire des infrastructures sanitaires. C'est-à-dire les hôpitaux. Voilà. Donc, on ne compte pas sur l'État pour dire que l'État a venu construire une maison. Voilà. Donc, quand on dit on est petit du lac, on aime le travail. Le travail, on fait là, c'est pour être à l'abri de certains besoins. C'est pour être à l'aise. Voilà. Je veux que tu en vous parles mal, là, toujours. Allô? 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 Ouais, bonjour monsieur, vous êtes à l'antenne là. Oui, bonjour, Doré. Ouais, t'es venu. Ouais, bon. S'il vous plaît, ça fait longtemps que vous faites vos vidéos, des fois, si je ne travaille pas, je vous suis, des fois, quoi. Voilà. Quand il y a un moment, je vous ai envoyé un message vocal, bon. Vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Aussi, c'est pas grave. Bon, ce qui me concerne par rapport à ces jeux politiciens-là, vous le savez, lorsqu'on est parti à l'école, on a beaucoup appris quelque chose. Et aussi, même si tu n'es pas là, aujourd'hui, même, on voit la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous écoute, monsieur. On vous écoute. Aucun de ces vieux politiciens-là, jusqu'au présent, n'ont rien fait pour l'Afrique. Au moins, ils n'ont rien fait pour les affaires de l'Afrique. Ce n'est pas de la misère. Est-ce que vous me comprenez? Moi, nous qui vous parle, je suis un petit nordiste. Mais c'est vrai que votre travail, mais je ne suis pas d'accord avec ce caractère. Avec ces choses qu'ils font, avec ces choses qu'ils font. Surtout, l'exemple est que le fait qu'il soutient le franc CFA m'a vraiment déçu de lui. Ouais, ouais. M'a vraiment déçu. Voilà, supposons que c'est cette monnaie qui nous plonge dans le chaos depuis des années. Ouais, ouais. Même si tu ne dois pas aider ceux qui font les combats, ne cherche pas aussi à la livrer. Ouais, ouais. Voilà, bon. En ce qui concerne le Koudou, M. Laurent Gbagbo, ouais, ouais. Lui aussi, il fait partie du président. Il est le président ivoirien qui a donné plus de marchés ivoiriens aux Français. Ouais, ouais.
président qui a besoin plus de machines ouvrières. Mais bon, certaines personnes disent que M. Gbagbo est panafricain. Mais où est son côté panafricanisme? Pour moi, c'est un panafricain carton. Raison pour laquelle je dis que non, il ne faudrait pas qu'on passe confiance à ces vieux-là. Parce que dès qu'ils sont déjà au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il ne faut que blaguer la population. Il ne faut que blaguer la population douanière. J'aimerais qu'on ouvre, qu'on ouvre nos yeux, quoi. C'est comment dire. J'aimerais qu'on ouvre nos yeux. Pour penser à l'avenir de nos enfants. Pour penser à l'avenir de nos enfants qu'on aura demain. Mais on pense à l'avenir en quoi faisant? En quoi faisant, mon frère? Voilà. Voilà. D'accord. Bonne question. Maintenant, par exemple, au moment où vous fouillez là, au moment où vous fouillez, la carte de séjour était déjà venue. C'est parce que vous me comprenez. Maintenant, qui est venu enlever la carte de séjour? Cette carte de séjour là pouvait mettre la différence entre les citoyens du pays et les étrangers. Qui a mis ça? Qui a mis la carte de séjour? C'est au moment où vous fouillez, lorsque votre carte est fouillée, c'est votre carte qui a envoyé. Voilà, et c'est Gbagbo qui est venu enlever la carte de séjour, vrai ou faux? Non, ouais. Voilà, maintenant, en enlevant la carte de séjour là, il n'a pas pensé à ce qui viendra demain. Mais c'est tout ce que Oufoué me dit, c'est tout ce que Ouattara avec Oufoué a vu pour installer la carte de séjour. Donc, ce sont des gens qui... Mais toi, quand Gbagbo a enlevé la carte de séjour, tu as trouvé ça salutaire ou bien tu as aimé ça ou tu n'as pas aimé ça? Je n'ai pas aimé ça. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas parce que c'est une blessure ouf. On va aller pas à pas. Quand Gbagbo a levé la carte de séjour, tu n'as pas aimé ça. Tu voulais que ton pays soit protégé. Voilà. Tu voulais que ton pays soit protégé. Voilà. Mais c'est vous les mêmes. C'est vous qui les mêmes qui disent Gbagbo il est xénophobe. Mais quelqu'un peut pas enlever une carte de séjour puis va être xénophobe. Tu expliques ça comment? Non. Ceux qui disent que Gbagbo est xénophobe, ceux qui disent que Gbagbo est xénophobe. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, ceux-là cherchent à être populaire seulement. Ils cherchaient à être populaire, c'est pourquoi ils voulaient. Qui c'est qui? C'est qui? Faut dire les noms. Tous ces politiciens-là. C'est qui? Faut dire les noms. Tu dis non le Gbagbo, dis non les autres aussi. C'est ce que j'ai dit là. Il dit tous ces politiciens. Moi, je suis panafricain. Moi, je suis panafricain. Et je suis ivoirien de 100%. Et aussi, je pense à l'avenir de mes frères. Et de mes enfants ivoiriens, et de mes enfants que j'aurai demain. Et vous me comprenez, moi aujourd'hui, je suis un nordiste. T'es dans quel pays, va descendre là, t'es dans quel pays? Voilà, bon, je suis en Algérie. En Algérie? Mais pourquoi t'es retrouvé en Algérie, pourquoi? C'est ce que j'ai dit là. Si tu vois aujourd'hui qui sont les... Que je suis arrivé en Algérie. Je suis un diplômé. Ouais. C'est parce que chez nous actuellement, la plupart des marchés appartiennent aux étrangers. Même les opérateurs économiques, même les grands opérateurs économiques, quoi qu'ils se sont pas. Ça veut dire, ça fait que non, les citoyens du pays ne se retrouvent plus. C'est parce que vous êtes d'accord avec moi. C'est d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, il y a des problèmes pour les questions. Entre l'aide de la gouvernance Gbagbo et l'aide de la gouvernance Ouattara, si tu te demandes de choisir, tu pourrais choisir quoi? Ça, c'est selon toi, quoi. Tu pourrais choisir quoi? En tant qu'enfant du Nord. Voilà, bon. La gouvernance, tu sais, Gbagbo était un bon maçon. C'est un bon quoi? Je fais un exemple. Gbagbo était un bon maçon. Gbagbo, c'est un bon maçon. Voilà, c'était un bon maçon. C'est-à-dire, un bon maçon. Faut expliquer, c'est-à-dire un maçon, c'est-à-dire. Ça veut dire que c'était un bon président, quoi. Gbagbo était un bon maçon qui avait des mauvais ouvriers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Tu comprends. Ça veut dire, les mauvais ouvriers
son entourage, quoi. Ah, Alassane, lui, c'est un faux maçon, mais qu'elle est bon ouvrier. Ou bien? Écoutez, attendez, je vais finir pour Bagbo d'abord. Et après, je viens sur quoi Alassane doit. Ok, il t'écoute. Alors, voilà. Allons doucement. On est pressé. Maintenant, voilà. Lorsqu'un maçon a qu'on appelle là, a des faux ouvriers là, sache que le mur qu'il va construire là, ça veut dire, si le ciment mal mouillé, le mur qu'il va construire là, c'est mis la seconde du tordu. Bah ouais. Sinon, quand il fait gâteau encore, il va même m'a dit non, bon, pour les avoir des pauvres, tu n'as pas de kaki, tu peux aller encore tu peux aller à l'école. Ok, c'est vrai que la vie était facile. Bah ouais. La vie était très facile. Vous voyez, ouais. mais des fois même chaque rentrée, même Bagbo même envoyait des cahiers, on appelle des cahiers pour les élèves, quoi que ce soit, mais tout était vendu. Ça veut dire c'est son entourage. Eux aussi, la discrimination aussi là, son entourage qui le faisait. Sinon, pour moi, Bagbo était un bon président. Regardez là, sur ce cas-là, bon, comme il était aussi enfant, ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas vu au Dieu avant, c'est ce que j'ai vu au Dieu. Ouais, maintenant, voilà, parle pour Ouattara maintenant, Ouattara. Bon, Ouattara, en ce qui concerne Ouattara, Ouattara, lui, c'est bel et bien qu'il a travaillé. Mais effectivement, en réalité, les citoyens du pays souffrent. Mais moi, il ne te comprend pas. Quand tu as dit, écoute-moi bien, non, parce que on va utiliser le français. Parce que tu parles français, on parle français. Et puis, on prend l'exemple terre à terre. Tu dis, Ouattara, il a travaillé. Les citoyens du pays souffrent. Toi, mon frère qui est en Algérie, tu vas au travail pour aller chercher de l'argent. Est-ce que tes enfants vont souffrir? Allô? Moi? Tu dis Ouattara a travaillé. Les citoyens souffrent. Allô, ils vous écoutent? Voilà, tu dis Ouattara a travaillé. Les citoyens souffrent. Oui. On va juste apposer le cas de Ouattara à toi, ton cas. Toi, tu es un salarié. Tu vas au travail. Est-ce que tes enfants seront privés de nourriture? Oui. Midi, matin, midi, soir? Jamais, parce que tu travailles. Donc, tout pour t'apprendre que Ouattara ne travaille pas. Oui. Parce que quand on travaille, quand un papa s'est dit travailleur, le fruit de son travail doit se répercuter sur ses enfants. On dit, ouais, je travaille pour mes enfants. Voilà, maintenant tu dis, Ouattara travaille, mais la population souffre. Donc tout porte à croire que Ouattara ne travaille pas. Voilà. Ça, c'est un cas qui est très facile à élucider. On n'a pas besoin d'avoir bac plus tracé pour savoir ça. Quand tu travailles, le fruit de ton travail doit se répercuter sur ton entourage. Ça, on dit, ouais, il travaille. Mais quelqu'un qui travaille, quand on n'a pas de fruit auprès de son entourage, c'est que, ouais, c'est un brouteur. Il fait son travail, il ne travaille pas. Voilà, c'est comme ça se passe. Tout ce que Ouattara a fait, on peut pas dire que non, rien n'a été fait en Côte d'Ivoire. On peut pas dire que rien n'a été fait en Côte d'Ivoire, mais en réalité, on a faim. On va dire que les citoyens ont faim. Ah. C'est ce qu'on appelle, c'est ça Macron a dit, la poule de perle les pimpins. Voilà. Voilà. Ça veut dire, en réalité, les citoyens ont faim. Mais si Babou n'avait pas amené la carte de séjour, si Babou n'avait pas. Faut laisser à faire les cas de séjour là. Faut laisser faire cas. On n'est plus dans ça à faire les séjour. Faut laisser ça. C'est vous qui avez dit que Bagbo est xénophobe. Donc faut laisser à faire les cas de séjour. Faut laisser cas de séjour là. Faut laisser ça là. Faut laisser ça là. Faut laisser ça là. Faut pas parler à faire les cas de séjour. Bagbo a les cas de séjour. Faut laisser ça là. C'est vous qui avez dit que Bagbo vous assimilez aux étrangers parce qu'on trouve vos cas de séjour. Pas... Ah, mais tu peux pas faire les cas de séjour. Laisse à faire les cas de séjour. Ça, c'est plus l'actualité ça. C'est pas l'actualité. On parle de Ouattara. On donne là. Hein. Moi, je n'ai pas dit Bagbo. Toi, tu dis ton problème, pourquoi Bagbo a enlevé le cas de séjour? Ah, tu dis pourquoi Bagbo a enlevé le cas de séjour? Non, on n'a pas l'affaire de cas de séjour, ça c'est fini ça. Écoutez-moi. Je t'écoute, champion, je t'écoute. Je t'écoute. Voilà. Bon, c'est un discours, moi, je ne suis pas violent. Moi, je ne suis pas violent. Ah non, c'est moi si violent, quoi. Moi. Il crie pas sur toi, il parle comme un militaire. Un militaire parle pas comme une femme. Un militaire, il parle, il crie. Voilà, il s'impose le militaire. C'est comme ça qu'il parle. Ah. Voilà.
Il parle pas comme femme pour dire doucement, mais papa doucement. Il parle fort. Pour que tu puisses entendre ce qu'il dit. Voilà. Excusez-moi, Mono. Voilà, tu sais que c'est Mono. Il y a qu'à parler doucement comme femme. Arrêtez ça. Hein. Attends, du coup. On t'écoute, faut parler. Voilà, donc c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas dire que non, Babou est une faute, quoi que ce soit. J'ai bien dit que Babou est un bon président, mais son entourage, eux aussi. Et si ils ne voient rien, personne ne peut me dire. Babou, là, Babou, on a fini son cas. On a dit Ouattara, mais il est venu Babou encore. Faut laisser faire Babou, c'est fini. On parle, lui, il est fini. Il faut parler de Ouattara, c'est de ça qu'on parle. Tu parles Babou, laisse Babou. On parle de Ouattara, c'est de ça qu'on s'agit. J'ai dit que non, je ne soutiens pas Ouattara. C'est ce que moi je vous ai dit. Je ne soutiens pas Ouattara et puis j'ai donné la raison. Il donne la raison. Le fait qu'il a soutenu, le fait qu'il soutient le franc CFA. Toi, c'est la seule raison quoi. Après le franc CFA. Voilà. Voilà, où faut Boigny. Où faut Boigny, champion. Où faut Boigny. Il y a un franc CFA. Il peut en manger bien. Autant de BD, il y a un franc CFA, il peut en manger bien. Autant de Gbagbo, il y a un franc CFA. On ne partait pas en Libye, aller mourir là-bas. Donc, il ne faut pas dire les francs CFA. Il faut dire les vraies raisons. Oh, voilà. Voilà, il faut laisser ça là. Voilà, non, autant de Gbagbo que tu parles là. Non, autant de Gbagbo que tu parles là. C'est quel projet Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire? Hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce vieux là. Hein. Le projet? Le projet Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Ah, le projet Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Tant que quelqu'un prend le pouvoir, écoute-moi bien. Tu aimes qu'on parle en parler. Ouais. Tant que quelqu'un prend le pouvoir en 2000, et puis en 2002, vous venez l'attaquer, sous prétexte que vous ne le portez pas pour vous. Tu penses qu'il va faire quelque chose? Et le pays est divisé en deux. Où le pays est divisé en deux, il y a deux pays. Abidjan, Côte d'Ivoire du Sud, Côte d'Ivoire du Nord. Vous prenez le Nord maintenant, pendant 18 ans de rébellion, il n'y a rien qui est construit là-bas. Tu vas venir poser question, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez coupé le pays en deux? Vous avez fait quoi là-bas au Nord là-bas? Quand vous avez coupé le pays en deux, là, et puis Soro Gueye était président au Nord, vous avez fait quoi là-bas? Ah, bon, on a construit un rôle là-bas quoi. Eh, je ne vais pas te parler qu'à ça ici. Hein. Tu fais esprit, tu es en train de parler bizarre là. Ah, pour dire les Ivoiriens. Est-ce que vous parlez de l'homme là? Il avait. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Babou était considéré comme le seul président de la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous me comprenez. Mm-hmm. Soro était considéré comme le président. Maintenant, Babou était pour dire. Babou était pour dire les Ivoiriens de qui? Il est pour dire les Ivoiriens de qui? Écoutez-moi. Ça veut dire, dans toute partie du monde, à ce moment-là, Babou était considéré comme président de la Côte d'Ivoire. Mmh. Voilà. Même quand on dit rebelle, la définition là, c'est celui qui désobéit aux ordres du pays. Mmh. Donc, et comme sanction, il mérite quoi comme sanction, rebelle? Il mérite quoi comme sanction? Aïe. À ce moment-là, c'est Babou qui devait prendre ses responsabilités. Toi, ton enfant, écoute-moi bien. Comme tu aimes parler français, parler français. Toi, ton enfant, il est dans ta maison. Il se rebelle contre toi. Au lieu de le frapper pour le corriger, toi, tu as le tuer, quoi. Donc, vous montrez que ouais, Babou était lâche parce qu'il ne vous a pas maté, c'est ça. Vous nous ouvrez les yeux. Prochainement, rébellez-vous. Vous serez maté. C'est là, c'est ça que tu veux faire croire. Babou n'a pas pour ses responsabilités. Parce que Babou a vu des frères du pays se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il était mécontent. Au lieu de les mater, il a préféré le dialogue. Mais toi, tu viens au dire que Babou n'a pas pour ses responsabilités. Il n'y a pas de problème. Vous nous montrez comment on gouverne le pays. Ça c'est pas un problème, ça. On a compris, c'est tout. À l'école, on va pour étudier, pour apprendre. Babou, on n'a pas pris sa responsabilité. Posément, là, ceux qui vont suivre Babou, là, ils vont prendre sa responsabilité. Tout le monde d'accord que tu me montres que mon rébellion, là, il faut marquer ça. On ne doit pas dialoguer à la rébellion. Mon frère, tu es dans la vérité, tu es dans la révélation. Il s'est enjaillé. Donc, c'est bien sûr, on va passer à une autre personne, mais tu ne dis pas la vérité. Tu sais, ciao, ciao. Là-bas. 07. 58 11 28 114 pour ceux qui viennent intervenir. On lit cette vidéo spéciale intervenant. Voilà. Allô? Allô? Ouais, faut couper, faut diminuer ton poste récepteur là. Diminue ça d'abord. Diminue ton truc là-bas, le côté là. Il y a interférence, ça diminue. Là, faut diminuer. Ouais, allô? Tu m'entends?
Ouais, t'es à l'antenne, voilà, direct. Ok, ouais, bonjour frère. Ouais, bonjour champion. J'appelais, c'était pour être venu. Ouais, faut parler un peu fort, parce qu'on dit on t'entend pas, faut parler un peu fort, ils t'entendent pas, je n'ai Ah, plus. ok, j'appelais pour être venu, je suis direct là. Ouais, ok, t'es à l'antenne, t'es à l'antenne. Ok. En fait, je l'ai dit au frère, parce que là, on a eu le problème du fait que, je sais pas, il n'y avait pas des cas pour aller à l'AI. Ouais, c'est ça le vrai problème. Les gens, même ça, a fait des bagbots pour rébellion. Moi, je sais pas. On parle à faire des cas. Moi, il n'y a pas de cas. C'est ça qu'il s'agit. Et pas à faire des sons. Je comprends pas. T'sais. On Non, t'écoute, champion. voilà, donc, voilà. Je lui ai dit au frère que, ben, voilà. En fait, apparemment, il disait qu'il n'y avait pas de cas pour aller à l'AE. Je sais pas si j'ai bien compris, en fait, le débat. Ouais. Ah, ok. Mais en fait, je comprends bien le fait que, apparemment, il disait qu'il y a un groupe qui mettait des cas à disposition, mais en fait, c'était à 30 euros. Ouais. Qui, voilà, il ne pouvait pas, 30 euros, il n'avait pas 30 euros pour aller, quoi, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, c'est moi qui n'ai pas 30 euros. Voilà, c'est moi qui parle, moi, j'ai pas 30 euros pour aller à la CPI. Voilà, parce que EDS m'avait fait découvrir la CPI en mettant les cas à disposition de 15 euros, à hauteur de 15 euros. Alors que moi, je suis désanimé, quand moi je me déplace, je ne suis pas seul. Je vais au moins à 5 personnes. Voilà, donc c'est moi qui dois Ok. payer tout cela. Donc moi, voir 150 euros dans mon budget, en tout cas, pour un citoyen qui ne travaille pas, moi, ça me fait mal. Voilà, je ne vais pas payer 150 euros pour aller voyager. Donc, il a dit à Edith, mais vous qui avez mis les cas à disposition des gens des plus démunis, pourquoi est-ce que maintenant, où vous devez mettre les cas à disposition des gens, vous ne vous prononcez pas? Voilà. Donc moi, je veux une réponse pour pouvoir me soulager, c'est tout. Voilà, moi, ils ne sont pas obligés de mettre le cas, ils ne sont pas obligés. Mais moi, je vais venir une réponse pour pouvoir me soulager, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et après, tirer des conclusions, c'est tout. Mais en fait, c'est quel groupe, en fait, EDS, ils ne sont pas prononcés au sujet des cas. Mais c'est quel groupe qui a mis les cas à disposition, qui a 30 euros, là? Ça, c'est Willy Bla. Lui, c'est un particulier. Lui, c'est pas, lui n'est pas une mouvance, il n'est pas à la tête des partis politiques. Mais ok, EDS, c'est une mouvance politique qui réunit plusieurs partis politiques, dont l'UNG et d'autres partis politiques, c'est-à-dire les FPI, les autres partis qui sont la filiale des pro-Gbagbo. Voilà. Donc EDS, c'est une mouvance politique. Mais Willy Blanc, lui, c'est pas, lui, c'est un particulier. Voilà. Donc une mouvance, un particulier ne peut pas prendre Guéou sur une mouvance politique. Moi, c'est un peu une honte pour moi, quoi. Voilà. Donc moi, c'est ça ma consternation, c'est ça ma complainte, quoi. Voilà. Pas que tu peux pas avoir 10 euros, 20, 30 euros pour effectuer le voyage, mais c'est pas trop bon à voir, quoi. Ou en ce sens que nous sommes à la dernière ligne droite et puis il n'y a pas de mobilisation. Moi, ça me coeur, quoi. Ok, non, ce que tu as dit, c'est bien vrai, mais moi en tant que sympathisant, c'est pas à moi de monter au créneau pour demander à l'EDS pourquoi ils mettent pas les cas à disposition, parce qu'ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de compte Amérande. Ça, c'est la logique qui dit ça. Ils n'ont pas de compte Amérande. C'est plutôt eux qui doivent faire une déclaration pour dire, mais voilà pourquoi on ne met pas les cas. Sinon, c'est pas à nous d'aller vers EDS pour dire, ah, mais pourquoi vous ne mettez pas les cas à notre disposition? Voilà, ils n'ont pas de compte à nous rendre, mais par contre, c'est eux qui doivent faire une déclaration pour dire, ah, voilà pourquoi. La fois de donner la mis les cas à votre disposition, mais maintenant, vu que nous sommes peut-être en panne de quelque chose, raison pour laquelle il y a une indication très simple, voilà. C'est pas une obligation. Voilà, non, c'est pas à nous d'aller. C'est pas à nous d'aller vers eux. Je sais pas si il me fait comprendre, quoi. C'est pas à nous d'aller vers EDS pour dire pourquoi on ne met pas les cas. Voilà, c'est eux qui savent que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une dernière ligne droite. Et ils le savent, c'est d'actualité. C'est pas à nous de venir dire, ah, EDS, faites ça. Non, c'est eux. S'ils jugent, nécessaire et impérieux qu'ils doivent mettre des cas pour mobiliser assez de personnes pour aller à la haie, créer les ras-le-bol. Ils vont le faire, mais ce n'est pas à nous de dire non à EDS. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Voilà. Au contraire, s'ils ne veulent pas le faire, c'est eux qui doivent faire une déclaration pour dire non, c'est comme ça, mais pas à nous de venir. Voilà. Non, ouais, en fait, non, moi je ne dis pas, en fait, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Moi, en fait,
comment on appelle, je dis pas que voilà, forcément il faut, c'est à vous de vous prononcer ou bien aller au chronique pour savoir s'il y aura des cas ou pas. Mais puisque vous posez la question, parce que bon, voilà, vous trouvez anormal que, vu que vous devez vous rendre à l'AE, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore évoqué le sujet des cas. Ouais. Donc voilà, ça vous préoccupe. Ouais, donc pour laquelle je dis, ben, ce serait mieux que vous adressiez à eux ou bien vous allez vers eux pour savoir s'ils vont mettre des cas ou pas à disposition des militants ou des sympathisants ou s'il y en a là. Ouais. Le cas contraire, ils ne mettront pas des cas. Qu'ils fassent une déclaration. Il dit, s'il n'y a pas de cas, qu'il fasse une déclaration. Ok. Mais il n'y a pas de déclaration. En plus, qu'il reste encore une semaine pour, une semaine pour le début du pour le procès. Je pense que d'ici là, peut-être que je peux qu'ils mettent des cas. Ouais, voilà, ils se prononcent en disant que, bon, voilà, ils ne pourront pas mettre des cas. Mais avant c'était deux semaines avant le procès qu'ils mettaient des cas à disposition. Hein. Il lançait des tickets. C'est pas une semaine, ils le font. Avant, c'était deux semaines avant, ou bien trois semaines avant. Okay. Là, il reste une semaine, on fait comment? C'est ça que le problème aussi, on fait comment? Ah ouais, je vois que c'est vrai que c'est un peu embêtant, une semaine. Vous dites pas faux. Il faudrait qu'ils se prononcent un peu plus tôt. Qu'ils se prennent vos dispositions. Tu vois? Parce que, ben voilà, si tu travailles, il faut poser ta journée. C'est ça. C'est pas faux. Ouais. Mais d'ici là, je pense que ben voilà, s'il n'y a pas d'autres possibilités, c'est obligé de faire avec le groupe de Willy Blas. Hein. Ouais. Non, moi, en fait, moi, c'est pas une question de groupe de Willy Blas ou bien de EDS. Voilà. Ouais. Moi, c'est la conformité. Attends, allô, n'écoute pas, s'il te plaît, n'écoute pas. Allô? Ouais, c'est bon, on y va. Non, là, ici, je suis en train de faire une vidéo directe, dès qu'il finit, tu te rappelles. Tu es où ça? Tu es à Essonne toujours? Allô, ouais, champion, il t'écoute. Oui. Il t'écoute, champion. Ouais, en fait, ouais. Donc, comme je disais, ben, dans ce cas, voilà, si cette, comme on le disait, à propos du EDS, je sais pas, ben voilà, je comprends que voilà, c'est-à-dire que voilà, je vois que vous avez vraiment envie d'aller de vous rendre à l'AE, mais si vous croyez que les 30 euros, vraiment vous trouvez que c'est un peu trop, parce que comme j'ai bien compris, vous n'allez pas seul, vous allez avec deux ou trois de vos gars, n'est-ce pas? Ben ouais. Voilà, mais dans ces cas où je trouvais que voilà, ça vous revient trop cher, voilà, vous vous abstenez, puis bon, voilà, c'est. Y a pas. Voilà. Mais moi, en fait, aussi, c'est pas. En fait, moi, je m'appuie sur mon sort en disant, je vais avec des gars de corps. Mais moi, je veux que les tickets soient à la portée de tous pour qu'on soit. On soit plus beaucoup à l'arrière. Moi, c'est ça ma préoccupation. Pourquoi on doit petit à l'arrière pour les petits? On n'est pas beaucoup. C'est ça qui me fait. Moi, c'est ça qui me fait mal. On est beaucoup, on met 4 millions d'Ivoiriens à l'arrière là-bas. Moi, c'est ça mon souci, ça. Voilà. Donc, quand il dit ça, c'est pour paraphraser. Voilà. Moi, mon souci, là, majeur, c'est qu'on soit beaucoup. On met 5 000 Ivoiriens, 6 000 à l'arrière, autour de la prison. Voilà. Si les gens peuvent payer 30 euros, qu'on ait 5 000, moi, c'est mon objectif à atteindre. C'est ce que moi, je veux. Voilà. Mais quand les gens ont fait les cas à 10 euros, c'est pour que ça soit à la portée de tous. C'est pour pouvoir mobiliser beaucoup. Mais pourquoi maintenant on ne peut pas mobiliser beaucoup? C'est ça que nous sommes à la ligne droite. C'est ça mon problème, c'est tout. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai, non, mais c'est quand voilà, je comprends bien ton raisonnement. Ouais, ouais. C'est pas faux. Ouais, ouais. Plus les pieds sont moins chers, plus ça inciterait beaucoup à aller. Voilà, mais c'est 30 euros, faut pas en se mentir. C'est juste quand même. Hein. Ah, c'est bien sûr. Moi, il paye 5 tickets. Il peut pour moi 4 mégas de corps, ça fait 150 euros. Tiens, ouais. 150 euros, mon frère, c'est chaud. Hein. Sans compter maintenant nourriture, on a mangé là-bas, il fait comment? C'est un budget au moins 300 euros. Tiens, ah ouais, c'est trop chaud, mon frère. C'est un budget. Il ne s'est pas subventionné, il fait comment? Ah ouais, ça c'est vrai. Pour 24 heures, il dépense 300 euros. Il fait comment? C'est chaud, hein, mon frère.
Non, non, c'est ça qui me fait mal à quoi j'essaie de faire vidéo, ça me fait mal, je l'écris même, c'est ça qui me fait mal, mais pas que parce que je suis obligé d'aller, peut-être dépenser 400 euros, c'est ça qui me fait mal. Ok, je n'ai pas dit que ouais, parce que je ne peux pas, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas parti. Non, ça c'est trahi, c'est trahi, c'est trahi, c'est trahi ma conviction. Voilà, c'est trahi ma conviction, tu vois, c'est ça. Voilà. Non, ok, je t'explique, quand je ne vais pas là, je gagne plus. Parce que d'une déjà, c'est 400 euros que j'ai vu de dépenser. Mais par contre, je vais travailler deux jours pour gagner au moins 300 euros. C'est même 700 euros que je gagne. Mais quand je vais, je dépense 400 euros et je paie encore 300 euros dans le cas du boulot. Donc, contrairement, je paie encore plus. Ouais, bien sûr. Je paie encore plus. Mais tu sais pourquoi? C'est pour le combat. Alors, à un moment donné, encore après, c'est respecté. Voilà. Parce que moi, quand je vais à la haie, c'est les vacations, je vais rater. Voilà. Vacations, au moins, c'est 300 euros. Et puis, après, il passe encore 400 euros. Il fait 700 euros. Tu vois, c'est chaud, hein? Ah ouais, vraiment. Ah, c'est chaud. Si tu veux, ça sort de ta poche. Ouais, ça sort de ma poche. Ah, c'est. Ça veut dire que tu comprends bien. En fait, ta préoccupation, c'est. En évoquant ce problème, c'est pas. Tu penses pas qu'à toi. Je pense à tout le monde. Tu penses à tout le monde. Parce que mine de rien, il y a des personnes, vraiment, ils n'ont pas cette possibilité. Là. Voilà. Et du coup, c'est 330 euros pour prendre un ticket. Pour aller. Voilà, parce qu'à arriver là-bas, il faut penser. Ouais. Il faut penser à manger. Tu vois, non, surtout quand il fait froid, tout. Il faut trouver un point où se mettre chaud. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas. Ça, c'est. Oh, c'est vrai. Là, c'est ça. Ah, ben. Voilà, je comprends un peu. Ah ouais, tu comprends un peu ma démarche à suivre, tu comprends ma logique. Ouais, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Donc, moi, c'était ma petite contribution. Il n'y a pas de la champion, voilà. Merci d'avoir appelé. Allez, bon courage à toi. On est ensemble, voilà. Champion. Voilà. Non, attends, tu sais, voilà, tu sais, des choses comme ça, tu sais, il y a des débats, il y a des trucs auxquels il ne faut pas s'aventurer, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont toujours sujets, tu vois, ils t'envoient dans des débats bon, qui ont ni tête ni queue. Non, mais en fait, c'est comme ça. Il faut répondre à tout le monde parce que si tu ne réponds pas, tu fais de la discrimination, tu fais de la sélection. Voilà. Et automatiquement, ça devient comme un délit de faciès. Donc, moi, je ne veux pas baigner dans ça. Je prends tout le monde pour montrer qu'eux-mêmes sont des discrétés, ils viennent se jouer le con. Voilà. On t'appelle, tu appelles les gens, tu peux venir insulter. Tu me dis va travailler. Moi c'est travailler ça ton problème. Toi ton problème, ça quoi ton problème ça. Moi je comprends pas quoi. Okay. Voilà. Donc champion, il s'en okay, jaillit. Vas-y, bonne journée à toi. À l'ensemble, merci. Ciao. Ok. Bon les gars, dernier appel et puis un bras. Dernier appel. Voilà, et puis un bras qui était ici. 07 58 11 28 74. Voilà. Dernier appel et puis un bras. Dernier appel et puis on bras. Dernier appel et puis on bras. Moi, s'il n'y a pas appel, nous allons écouter un morceau et puis on se laisse ici. Voilà. On va se laisser ici. On va chercher ici. Il voulait faire vidéo de 5 heures du temps. Pas bien. Ouais, tout le monde s'est inspiré. Ouais, vidéo 5 heures du temps. Comment tu le fais toi? Je sais que du temps, ouais, c'est un champion. Oh my God, on sera tous à ma. Les gars, partagez la vidéo là. Partagez, il y a combien? Il y a 95 connectés. Partagez ça, 95 connectés. Nyaka, Oito, Sylvain, Désiré, Dagro. Allez, yo. Partagez ça, qui aussi là. Toujours pas de résultat, mais ils font quoi là-bas? L'éternel a le dernier mot, non? L'éternel a le dernier mot. Parce qu'il faut qu'Abidjan ici nous montrions qu'Abidjan nous appartient.
Maman Simon et Yves Papo, la messe spirituelle. Oh, on sera tous à maman. J'attends pas tant, une image du livre. Est-ce que j'attends pas tant, des dessins animés, animés télé. J'attends pas tant, à poubelle view, MSDC. J'attends pas tant, Amana Picasso. J'attends pas tant, Abu Kali. J'attends pas tant, Tony Pacheco. J'attends pas tant, Uthé Oulaï. Fajitè, j'attends pas tant. Samuel Eto, j'attends pas tant. Union et Soudan, Kanye Sidi. J'attends pas tant. Il neige, il neige ici. C'est ça, c'est bien neigé. Il n'y a pas d'intervention, gars. Il n'y a pas d'intervention, attends. Si il n'y a pas d'intervention, on va jouer un dernier morceau et puis on se laisse. Quand vous n'avez pas intervenu là. Ah, un intervenant, un intervenant. Allô? Antenne directe. Allô, champion? Ouais, t'es en direct. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, bien ou quoi? Tranquille, au calme. Ouais, ça va, ça va. Ouais, frérot. Bon. Moi, j'ai quelque chose à ajouter, quoi. Ouais, j'ajoute, frérot. Voilà, ce qui est sûr, moi, je demande tous les Africains de sortir. Moi, je suis pas ivoirien. Je sais que t'es Togolais, c'est ça. Voilà, comme tu veux. Mais t'es Togolais? Est-ce que comme tu veux, t'es Togolais? Les Africains de sortir pour la libération de notre papa. Voilà, c'est tout ce que je demande à ceux qui du reste, quoi. Merci mon frère Togolais, tu es un champion. Voilà, parce que il faut pas, il est temps que les Africains se réveillent, quoi. Voilà, parce que ça a trop tiré, on dirait qu'ils ont vacciné, quoi. Ouais, ouais. Voilà, il faut que tout le monde au moins se réveille pour demander la libération de notre papa, pour que on puisse avoir nos souverainetés, avoir vraiment notre propre monnaie. Ouais, voilà, ouais. Que le papa a commencé depuis des années. Ouais, ouais. Voilà, parce que moi je vois que les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous avez, parce que les gens là nous maltraitent dans ces pays, déjà. Ouais, ouais. Qui nous fait, déjà on a nos problèmes ici, nous maltraitent côté racisme, tout ça. Ouais, et mon rôle là, fabrique nos monnaies en plus. Ouais, ouais. Voilà, il faut que les gens se réveillent un peu, quoi, parce que ça va même pas. Ouais, ouais. Voilà, il faut que tous les Africains sortent. Moi, je ne demande pas aux Ivoiriens seulement. Les Africains, en général, ils sortent pour demander la libération de notre papa. Ouais, ouais. Voilà. Et là, après ça, tout va s'arranger avec les temps, là. Ouais, ouais. Il n'y a pas à faire des petits nordistes. Moi, je suis vraiment, mais c'est du nord. Ouais, ouais. Voilà. Il y a faux. T'es un champion. Il n'y a pas de différence entre le nord et le sud. C'est la famille. Ouais, t'es un champion, mon frère. T'es un champion. Voilà, donc ce que je demande, il faut que tout le monde soit, il faut qu'on arrête, parce que on a dit que ne pas vraiment, c'est les Français qui l'ont envoyé, vous le faites. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils vont nous mentir. Ouais. On est conscient, mais on est sorti, on est en Europe maintenant. Il faut que les gens changent leur mentalité. Ouais, ouais, il y a fort, champion. Voilà, donc c'était mon message. On a ensemble, mon frère. T'as pas de soucis. Ok, ciao, ciao. Merci pour l'intervention. On est ensemble. Ok, ciao. C'est comme mon vieux, mon camarade Dindé. Mon radar t'a détecté. Hein. Aïe. Mon vieux, mon camarade Dindé. Mon radar t'a détecté ici, là. Avec moi, j'y fort. Il y a un médicament de ça, même. J'ai détecté dans mon radar. Dans mon radar, il était détecté. Attendez, les gars, attendez.
un truc qui bloque là. Bon, c'est la fin maintenant, hein, c'est la fin. Sonja, c'est trop intéressant. Samouka de Baha, on est à la fin, il fait 5 heures de diète, 5 heures. C'est fini, c'est bon. Ciao, ciao.